Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer les accords et harmoniser donc ce formidable standard qui est On the Sunny Side of the Street. Alors, on va rester dans le thème de l'été. La semaine dernière, nous avions vu Summertime. Maintenant, On the Sunny Side of the Street. Alors, effectivement, je vous découragerais en cette période estivale quand même de rester un peu trop longtemps On the Sunny Side of the Street parce que vous risquerez d'attraper une insolation. Allez, on regarde ce que ça donne. D'abord, on va voir l'accompagnement à une main et ensuite, on va voir comment faire l'accompagnement à deux mains. À la fin de la vidéo, eh bien, on verra comment accompagner la mélodie avec les accords à la main droite, comment donc jouer les accords jazz, comment rajouter les extensions, savoir quelle note on va enlever, quelle note on va rajouter pour que ça sonne jazz. Allez donc, les accords vont être joués à la main droite et puis à la main gauche, nous allons jouer la fondamentale de notre accord, la note de basse. Ai joué la partie A, il y a déjà beaucoup à faire avec cela. Après, on va voir comment jouer la même chose à deux mains, ça va donner ceci. Vous pouvez jouer ça pour accompagner quelqu'un qui va donc, jouer la mélodie qui est indiquée en clé de sol, qui va chanter les paroles, ou tout simplement, vous pouvez le jouer en tant que petit morceau, hein, ces enchaînements d'accords, eh bien, une fois qu'ils sont bien enrichis, ils sont très beaux, ils peuvent être joués comme des petits morceaux, comme des échauffements, et ça peut être aussi utile pour faire de l'analyse harmonique pour ceux qui ont déjà un peu le niveau. En description, vous trouverez un aide-mémoire d'accords vierge sur lequel eh bien, vous pourrez noter les accords que je vais vous démontrer. Vous trouverez aussi une partition vierge sur laquelle eh bien, vous pourrez noter les accords, hein, noter le morceau que vous voyez. Est inclus avec ces deux aides-mémoire eh bien, une formation pour apprendre à jouer des standards jazz de ce type. À l'intérieur, il y a des aides-mémoire d'accords qui sont déjà tout faits, ainsi qu'une vidéo de 15 minutes qui vous explique eh bien, comment jouer ce genre de standard. Allez, on regarde comment jouer les accords à une main. Premier accord, on va le jouer de cette manière. Et en fait, c'est un accord de do si, si je joue comme ça, et bien on va le jouer nous en premier renversement. Comme ceci. Normalement, c'est un accord, voilà, de do maj 7, mais les accords de do maj 7 et les accords do 6, en fait, ils ont la même fonction. Leur couleur change un tout petit peu, mais ils gardent la même fonction. Ça sonne un peu pareil, on va dire. Ensuite, le Mi 7, on va le jouer de cette manière. Normalement, un Mi 7, il se joue comme ceci. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer la septième, notre septième, ici, à la main droite. On va garder la tierce. Et puis, on va jouer une sixte mineure, ici. Sixte bémol. Sixte mineure. Ensuite, on va jouer le Fa 6, comme ceci. Alors, le Fa 6, en fait, je ne vais pas jouer la sixte. Je vais jouer notre Maj 7 de notre accord de Fa. L'accord de Fa 6, c'est celui-ci. Okay? Moi, je vais jouer notre Maj 7. On l'avait dit, les accords de sixte et les accords Maj 7, ils ont la même nature. Et là, en fait, présentement, si nous jouons à une seule main les accords à la main droite, c'est bien de faire entendre la tierce et c'est bien d'avoir cette position d'empilement de cartes. Ça va sonner un peu mieux. La sixte, elle peut être plus pertinente dans d'autres contextes, mais là, je vais faire un peu différemment de ce qui est marqué. Et je vais jouer de cette manière notre accord de Fa 6 ou aussi dit Fa Maj 7. Donc il va y avoir notre Maj 7, notre tierce et notre sixte, un peu plus haut finalement. Notre sixte est là. Voilà. Mais sauf qu'on rajoute la Maj 7, quoi. Ensuite, notre Sol 7, on va le jouer comme ceci. Donc, normalement un Sol 7, ça se joue comme ceci. Je vais donc enlever notre fondamentale et je vais augmenter la quinte. Quinte augmentée, un Ré dièse. Et nous avons à avoir donc, une quarte et une tierce ici en espacement. Je vous laisse le noter. Et ensuite, le Sol dièse diminué 7, je vais le jouer de cette manière. Un Sol dièse diminué 7, c'est ça. Et moi, je le renverse, je le fais en troisième renversement. De cette façon. Ensuite arrive le La mineur 7, que je vais jouer comme ceci. Donc un La mineur, ça se joue comme ceci. Ben moi,
Je vais rajouter une neuvième qui est un ton au-dessus de notre fondamental, qui est le La. Voilà. Et je vais jouer notre fondamental avec la main gauche. Ensuite arrive le Ré 7. Le Ré 7, je vais le jouer de cette manière. Alors un Ré 7, normalement, c'est comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais le renverser. Je vais enlever notre fondamental, je vais enlever notre quinte et je vais rajouter la sixte. Ici, on appelle une position d'empilement de cartes. J'ai une distance de carte augmentée ici, une distance de carte juste ici. Après arrive le Ré mineur, que je vais jouer comme ceci. Donc le Ré mineur, normalement, il se joue comme ceci, le Ré mineur 7. Eh bien, je vais enlever notre fondamental à la main droite et je vais rajouter notre neuvième. Après le Sol, je vais jouer comme ceci, donc Fa, Sol, Si, Ré. Eh bien, je vais enlever notre fondamental et augmenter la quinte. Et après, notre Do Maj 7, je vais le jouer de cette manière. Donc, Do Maj 7, normalement, ça se joue comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais, pour le coup, enlever notre Maj 7 et remplacer notre Maj 7 par une sixte. Voilà. Et ensuite, je vais enlever la quinte et je vais rajouter une neuvième ici. Je vais avoir une position d'empilement de cartes, c'est-à-dire qu'entre ces deux notes, il y a une distance de cartes, entre ces deux notes, il y a une distance de cartes. Une proportion qui est très agréable à l'oreille. Et donc, Mi, La, Ré, Do Maj 7. Je vous le rejoue. Je l'ai changé légèrement parce que je l'ai fait à l'intuition hein, quand je voulais rejouer. C'est pour vous dire que si je le rejoue encore une fois, ça peut encore changer. Maintenant, nous allons passer à l'accompagnement. À deux mains. Alors, notre Do 6, on va le jouer comme ceci. On va garder cette position à la main droite que l'on avait, le premier renversement de Do 6. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va jouer à la main gauche, une fondamentale, une septième, de cette manière. Ça va être une septième, une machette, que l'on va rajouter à notre sixte à la main droite. On peut rajouter une machette, c'est pas un problème. Ensuite, pour le Mi 7, ce que l'on va faire, c'est qu'on va simplement garder la même position qu'on avait précédemment. Je vous laisse la noter sur votre aide-mémoire en faisant pause, bien sûr. Mais on va juste rajouter une quinte à la main gauche pour enrichir. Voilà, ce sera suffisant. Ensuite, notre Fa 6, on peut le jouer de cette manière. Donc on va faire un empilement de quinte à la main gauche. On va jouer notre fondamentale, notre quinte, et on va rajouter une neuvième ici à la main gauche. Et puis après, on va jouer la tierce, la quinte, notre machette et notre neuvième. Voilà. Ensuite, le Sol 7, on va décrocher un peu. On va aller un peu plus haut, ça veut dire. Et on va donc jouer ici notre septième, notre sixte. Et présentement, je vais jouer une bémol 9. Et je vais jouer un Ré dièse, donc une sixte bémol. Quinte augmentée. Bémol ou Ré dièse. Pour après, ensuite, n'avoir qu'à descendre mon Mi bémol. On va dire que c'est un Mi bémol plutôt parce qu'il va descendre sur le Ré. Donc sur le Ré bécarré ici. Pour jouer cet accord de Sol dièse diminué 7. Et ensuite, on arrive sur le La mineur 7 que l'on va jouer dans cette position. Alors, si vous suivez déjà les vidéos qui concernent le genre d'accord des standards de jazz, vous commencez à être familiarisé à cette position. La, Mi, Si, Do, Mi, Do. De cette façon. On va jouer notre fondamentale, notre quinte, notre neuvième, notre tierce, notre quinte, et après on va rejouer la tierce. Après le Ré 7, on va le jouer de cette manière, c'est-à-dire que l'on va jouer la tierce, une bémol 9, une quinte, et on va redoubler une bémol 9, ça va créer pas mal de dissonance. Mais bon, ça passe. Enfin, c'est plus que
C'est pas mal, je trouve. Après, notre Ré mineur 7, on va le jouer de cette façon, en empilement de quintes. On va donc jouer notre fondamentale, notre quinte et notre neuvième à la main gauche, comme ceci. Puis on va jouer la tierce, la quinte et la fondamentale à la main droite. Notre sol 7 qui suit, on va le jouer de cette façon. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un sol 7 comme ceci, je vais enlever la tierce, je vais enlever la septième ici. En fait, je vais jouer à la main droite, la septième et la tierce ici. Je vais jouer cette position dite ouverte, de cette manière. Et après, j'arrive sur mon Do maj 7. Alors le Do maj 7, au lieu de le jouer de cette façon, en fait, je vais enlever la tierce et la quinte ici, je vais jouer la tierce et la quinte ici. Voilà. Là, on a un bon accompagnement à deux mains. Regardons maintenant comment accompagner le thème à la main gauche et la mélodie à la main droite. Faisons ça rapidement. N'oubliez pas que si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de vos standards, dans l'analyse de vos standards, dans l'anticipation des extensions qu'on va mettre, la compréhension profonde de tout ce que je suis en train de dire, il y a ma classe de piano en ligne. Dans cette classe de piano en ligne, eh bien, vous avez des cours individualisés en visio avec moi-même, ainsi que l'accès à un logiciel de défilement aléatoire qui vous permettra eh bien, d'acquérir les automatismes de lecture de façon très progressive. Tout est extrêmement séquencé, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'exercices, ainsi que des vidéos qui vous expliquent eh bien, comment utiliser ce logiciel, comment faire vos programmes, et puis comment arriver à accompagner et à jouer du jazz dans les meilleures conditions possibles avec votre piano. Les informations sont en description. Allez, on regarde maintenant comment accompagner on the sunny side of the street. Au début, notre Do 6, on va le jouer comme ceci, la tierce, la quinte et la sixte. Après le Mi 7, je le jouerai de cette manière, en empilement de cartes, carte augmentée, carte juste ici. Le Fa 6 de cette façon, je vais jouer la fondamentale et la septième majeure, la tierce et la sixte. Sixte qui a la mélodie. Après le Sol 7, je jouerai de cette façon, uniquement notre bémol 9 et notre tierce à la main gauche. Et après, ça fait un peu le même accord. Ça. On a les mêmes notes Sol 7 que Sol dièse diminué 7, même pas besoin de bouger. Vous verrez qu'après en La mineur 7, je ne jouerai uniquement que la septième et la tonique à la main gauche. Finalement, un accompagnement très minimaliste. Et puis, je jouerai donc notre Ré 7 de cette façon, avec un Fa dièse, un Do, c'est-à-dire la tierce et la septième, et une bémol 9, ici. Avec Sol dièse là, et après... Ré mineur 7 à la main gauche, donc Fa, La, Do, Mi. Avec voilà, accord de Ré mineur 7, 9 à la main gauche. Et puis après, la septième et la tierce de l'accord Sol 7 à la main gauche. Et puis je joue simplement la mélodie. Moi j'ai un Do maj 7 ici. Voilà, que je joue en position fondamentale. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à aller voir le tutoriel pour le standard Summertime. Voilà, on reste dans le domaine de la canicule niveau tuto. Portez-vous bien, salut à tous.